Allô, allô. Bien le bonjour, Twitch et YouTube, du coup. Donc là, cette fois-ci, je rajoute la rediff. Juste un peu le son, de la musique, tic 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 tic. Voilà. Bon, du coup, on va partir sur du dessin, comme à mon habitude, hein, franchement. Oula, le micro qui fait un bout de vague, faut que même un bout de... je sais pas, chelou. Bon, du coup, là je vais continuer mon fameux robot, d'ailleurs faut que je lance l'application de dessin, je l'ai pas lancé. Oh là là, il prépare rien en plus. Non mais sérieux, c'est pas sérieux tout ça. Hein. Tac, tac. Hop. Ouit. Nickel, Chrome normalement, ça devrait être nickel. Touk. Hop. Ouais, c'est tout bon. Tout est bon. Donc du coup, je passe à la vue dessin. Bon. Mais ça, un peu son dans les oreilles aussi. Alors, je devais... Déjà, j'ai repéré une erreur entre-temps. C'est que les bras sont trop courts. J'avais pas capté au début. Mais les bras sont trop courts. Du coup, ce que je vais faire... Hein. On va les allonger. On va les allonger tout de suite. Du coup, c'était... Tac, 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 tac. Tiens, j'ai créé plein de fichiers avant. Je marquais... bras droit. Tac. Donc du coup, il y aura la main, le bras. Yes, c'est pas mis dedans. Bras droit, main droite. Le corps, ça part. Bras gauche ensuite. Tac. Du coup, bras gauche. Moi dedans, j'englobe aussi avec la main, au moins, tout est tranquille. Voilà. Dans le robot, il y a tout ça. Nickel. Ouais, nickel. Croquis jambe, croquis jambe droite. Ouais, bon, ça, on va laisser de côté pour l'instant, c'est pas important. Roue droite. Ça, c'est pour la jambe droite, jambe gauche. Et le croquis du corps, ok. Bon, du coup, je vais agrandir les bras parce qu'ils sont pas assez longs. C'est normal, ils devraient arriver à peu près là. Les avant-bras, puis les mains à peu près jusque là. Quand les mains sont tendues comme ça. Donc, du coup, on va agrandir tout ça. Du coup, bras droit. Tac, donc par exemple, si je prends. En fait, l'avant-bras ça va, c'est juste le là où il y a le biceps qui est un peu court. Ah, puis c'est chiant, les câbles en fait ils sont à part. Oh là là, dans quelle merde je me suis mis encore. Attends, tac. Oh, la largeur ça va, c'est juste la longueur qui faisait que je change. Ou si, tout simplement, je prenais tout le bras. Ça serait déjà un peu mieux, je pense. Tac. Peut-être juste pas l'épaule. Tac. Ouais, comme ça. Tac, tac. Hop. Tac. Titi. Merde. Titi. Hop. On va juste prendre les traits. Ils sont pas pris. Ils sont pris. Nickel. Non, ça devrait être bon. Hop. Voilà. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Ok. Alors. Nickel. Non, je le fais. Ctrl T. Voilà. Si je fais juste ça comme ça. D'un coup, les bras, c'est déjà un peu plus logique, déjà, d'un coup. Ok. En termes de longueur, c'est déjà un peu mieux, déjà. Hein. C'est déjà largement mieux. Juste, on va faire ça. Hop. Ok. Ça
C'est un peu chelou, hein. C'est quand même vachement chelou. En fait, la partie là, c'est bien, mais la partie là, elle est vachement petite. Attends, je vais annuler. Contrôle le temps encore une fois. Je vais faire comme ça. Ouais, voilà. On va tester comme ça pour l'instant. En vrai. Je vais repartir avec le bras gauche et je vais voir ce que ça donnait. Bras gauche, tac. Donc là, faut que je prenne tout ça. Tout ça. Tac. Nickel. Contrôle T. Oula, un peu trop grand, hein, d'un coup. Ding, 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 ding. Tac. Bah, en vrai, ouais, déjà niveau longueur, c'est largement mieux. Déjà là, c'est clairement mieux. Mais j'ai eu une idée pour un truc. C'est que. Je voulais changer complètement le bras droit, le bras gauche. Enfin, à ma gauche, du coup. Pas à sa droite, à sa gauche. Donc lui, en vrai, je vais peut-être le mettre de côté. Ouais, je vais mettre de côté pour l'instant. Ok. Je vais juste prendre cette partie-là, que je vais copier. Je vais la replacer comme ça pour voir. J'ai envie de tester des trucs. Ok. Imaginons que je prenne du coup l'autre partie. Ouais, comme ça. Non. Trompé. Non, je suis con, annulé. Hop. Voilà. Et là, du coup, si je veux les retourner. Non, attends. Putain, je m'en mets les pinceaux. Mais non, qu'est-ce qu'il me fait? Mais non. Ok. Trop l'été du coup. Mais non, pas comme ça. C'est horrible. Ça sent que c'est du fait à l'arrache. Hein. Ah non, faut que j'en dessine un comme ça. C'est pas possible de changer. Si je retournais juste comme ça. Merde. Non, ça passe pas. Hein. Non, ça passe pas. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est... Déjà mettre le sabre, déjà. Pour essayer d'imaginer à peu près là où il sera le bras. Donc attends, sabre. Est-ce que j'ai fait un croquis du sabre? Non. Ça va faire le sabre à l'arrache, hein, vite fait. J'ai prévu qu'il y avait avoir un grand manche comme ça. À peu près. Du coup, ici, il y aura l'anneau. Tac. Tac, tac. Tili, 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 tili. Ok. Tili, 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 tili. Ensuite. Voilà à peu près le sabre. Hop. Bras gauche, du coup. Tili, 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 tili. De toute façon, je vais le supprimer pour l'instant. Ok. Ensuite. Il y a un truc qui va pas, du coup. Du coup, il y a un truc qui va pas. Attends, s'il est comme ça, du coup. S'il est comme ça, son bras au loin. Si on veut qu'il soit posé sur son sabre.
Ouais, ça, du coup, on doit pas voir la partie là. On doit pas la voir du coup. Attends, je sais à peu près de belle comme il est. Hein. Comme ça là. Sa main là, du coup. Attends. Ouais, comme ça. À peu près. Et puis on va mettre sa main sur la poignée devant. Ouais. Tu dis. Forcément, du coup. Être comme ça, mais du coup, un peu plus écrasé au niveau de là. Merde. Ok. Ok. Et on va laisser un avant-bras en croquis. Pour juste masquer les vis par contre. Voilà. Ça fait tellement bizarre de le voir sans vis du coup maintenant. Merde. De le voir sans vis. Avec vis. Sans vis. Avec vis, sans vis. Assez bizarre quand même. Donc du coup, imaginons l'avant-bras. Mais du coup non, forcément on voit plus le coude, forcément. Je suis perdu. Ah c'est bon. Je suis de retour. Faut juste que je prenne ça. Je le tourne. Ok, que je le tourne à peu près comme ça. Ok. Là, jusque là on est bon. Jusque là on va créer un truc. On va imaginer que je recasse sa grosse main ici là. Genre on va faire une grosse main vite fait comme ça à l'arrache. Chut. Chut. Comment on fait? Bon, c'est pas grave, il y aura une main. Il y aura une main comme ça. Du coup, si t'as le pli du coude, en théorie, hein, ça fait ça. Jup. Zwip. Zwip. Hop. Non, en théorie, la forme du bras, ça devrait être ça. Ça devrait être ça, en théorie. C'est vraiment moche. On dirait juste un boudin, comme ça. Donc, du coup, là que vient mon idée et mon cerveau de génie, c'est que du coup, ça, on va le masquer pour l'instant. On va juste essayer de faire ça. Imaginons, je prenne juste cette partie là, là. Du coup, le coude, je le prends pas. Hop. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl T. On le flip. On le penche comme ça. On est un peu plus petit du coup. Ouais. C'est pas ça, hein. Ouais. Bah, en soi, si c'est ça. En soi. En soi. Oula. Du 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 du. Ça, du coup, c'est plutôt comme ça. Di 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 di. Ok. Ok. Oh là là, c'est mon champ de tout bouger. Voilà. Bon, de loin, de très loin, ça passe, tu vois. De très loin, ça passe, tu vois. Là, on voit pas que c'est une connerie. Tranquille. Mais si on zoome. Salut. Ça se voit que c'est pas l'arrache. Hein. Et tu vois, cette pose, je préfère largement cette pose. Que celle d'avant où il était comme ça. Là, moi, il y a un bras où il y a un pose sa main sur son sabre. Ça sera mieux, je trouve. Ça sera beaucoup mieux. Du coup, maintenant, faut que je fasse la main, bien sûr, mais. Bon, ok. On va créer un truc, on va faire croquis. Croc. Hop. Tac. Ok. Du. Ok.
On va mettre main. La 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 la. Donc déjà j'ai mon idée, il faut juste que je fasse en plus propre, mais j'ai à peu près l'idée. Du coup la main, s'il est comme ça du coup, comme ça, j'essaie de voir avec mon micro mais c'est compliqué. Donc en théorie, ouais, tu dois avoir le pouce qui fait ça, qui se replie comme ça. T'as le doigt qui fait ça, un autre doigt qui fait ça, un doigt qui fait ça. Putain. Ouais bon, voilà, c'est vite fait. Hein. Ok. Voilà à peu près l'idée. À peu près. Pou pou pou. Pou pou pou. Maintenant faut que je refasse tout quoi. Hop, croc. Tac. Hop. Ça du coup on va le supprimer. Ah d'ailleurs c'est vrai que ouais. C'est vrai que du coup forcément. De toute façon tout ça je dois le repasser. Hein. Je vais tout devoir refaire au propre, à part peut-être le torse à la rigueur. Mais sinon tout le reste je vais le faire au propre hein, parce que sinon c'est crade et c'est moche. Là ça fait deux fois le même mot mais bon, c'est pas grave. Hop là. Du coup. Putain, faut vraiment que je mette des nouvelles musiques dans ma playlist. Hein. Faut vraiment que je mette des nouvelles musiques. C'est pas qu'elle me saoule, mais bon, ça commence à pas me saouler les musiques là. Mais vu qu'il y a des copyrights, du coup, c'est chiant d'en trouver des musiques. C'est compliqué. Faut que je cherche. Je chercherai, je trouverai et j'écouterai, du coup. C'est pas je tuerai, c'est j'écouterai. C'est pour vérifier l'aérodynamisme de mes cheveux. Si je veux qu'ils volent bien, c'est que ça marche bien. C'est qu'ils sont bien aérés. Il vit encore, il vit encore. Du coup. Titi. On va se faire le bras pour voir. On va marquer prop. Pop plutôt. Je sais pas, je vais me comprendre, mais bon, c'est pas grave. Donc, imaginons du coup qu'il y a ça. La 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 la. Tout 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 tout. La 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 la. Ok. Après ça. Du 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 du. Hop. Ok. Tac. La 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 la. Ok à peu près. Mais du coup ici forcément. Là faut pas que je coupe le même bras. Hein. Parce que du coup forcément, là c'est le dessous. Forcément quand t'es comme ça, forcément tu vois le dessus. Enfin le milieu dessus, on va dire c'est comme ça. Donc. Faut que je m'inspire plus de lui du coup. Ah non je suis con, on voit pas le dessus non plus lui. Si si c'est lui qu'on voit le dessus. Je suis complètement con aussi. Mais. C'est ouf hein. Du coup là il y aura le truc là ici. La 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 la. Ah mais je suis con. Forcément c'est pas logique. Faudrait qu'ici du coup il y a un roulement. Si j'ai un truc comme ça. Merde c'est moche. Exemple je sais pas un truc comme ça. Ou genre le truc il pourra pivoter en rond. Il pourra faire ça son bras du coup. Attends j'essaie de voir avec la caméra du coup. Il pourra faire ça du coup son bras. Sinon on peut tourner notre bras comme ça.
Genre comme ça, si je tourne, ça suit. Mais du coup, c'est un robot, donc forcément, il c'est pas des muscles, c'est des plaques. Donc du coup, ça marche pas. Donc il faudrait que je mette un truc ici, du coup. Genre un genre de rond ici, là. Un truc comme ça, là, con. Donc du coup, plus au-dessus du coude, du coup. Plus là, du coup. Genre un truc comme ça. Hop. Ouais. C'est un truc à envisager. Peut-être même un peu urgent, même. Enfin, du coup, je vais le faire, là. Du coup, le coude, forcément, mais va dégager. Adieu, petit coude. On t'aimait. Hop. Tac. Toujours penser logique quand on dessine. C'est une des premières règles du dessin. On voit que j'appuie pas beaucoup. Hein. Mais pourquoi je fais autant d'inclinaisons? Je vais faire un trait comme ça. Comme ça, je fais un trait. Je fais un rond comme ça déjà. Hop. On fait un deuxième. Hop. Voilà. Ok, on va faire les câbles vite fait. La 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 la. Hop. Di 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 di. Ok. Ok, donc on a déjà ça. Ensuite. En fait, limite, faut que j'en fasse tous les bras, en fait, hein, quasiment. Et oui, ça risque de prendre un peu de temps. Mais bon. Le temps, c'est qu'on en a besoin si on veut faire un beau dessin. Oui, je suis un puits, j'arrête pas de boire. Justement, je suis une fontaine. Enfin non, du coup, je suis un puits. Enfin, j'ai dit juste avant, en plus. Je suis un gouffre. Un gouffre à flotte. Je bois sans fond. Je ne m'arrête plus. Hop, tac. Ok, ça c'est au niveau du bras. Tac, nickel. On va marquer bras. Pro. Merde. Prop croc. Un bras prop croc. Attends, on dirait un nom de menu d'un restaurant, genre. Le menu. Bras propre rock. Je sais pas, t'as un wrap, un croc. Et le propre, je sais pas. Je pars loin dans mes explications quand même, des mots. Des mots, je me complique à la tâche alors que c'est simple. J'aime bien me faire chier à parler comme ça. Non, pourquoi je frotterai là, c'est pas comme ça. Bon. Donc. Tac. Hop, on va mettre un peu comme ça aussi. Imaginons que du coup, forcément, si son bras est comme ça, on va essayer de le mettre droit. Comme ça, il pourra tourner comme ça, mais il pourra pas tourner comme ça. Du coup, faut que je fasse le bras qui fait ça. Donc, il faudrait mettre une genre de roue ici, là, au niveau du coude. Ce serait logique. Tout se tiendrait debout. Tout serait incroyable. Et oui. Et oui. Hop là. Donc en gros, les bras, je les refais entièrement, quoi. Enfin, quasiment, juste là. Et du coup, je vais carrément lever le coude, je vais mettre une genre de roue en face. Et du coup, si je mets ici, je mettrai le rond. En gros, je peux me faire chier, quoi. En plus, c'est juste ça, les changements. Donc, là forcément du coup là la roue. Du coup forcément il y aura une petite plaque ici. Du coup forcément il y aura la plaque là. Enfin voilà, deux trucs comme ça. On va faire la roue qui dépasse comme ça. Hop. Voilà. Hein, comme ça, juste faire ça. C'est bon, on a un demi-rond. Pour se faire chier, sans déconner.
Du coup, on va dire qu'il y a une plaque comme ça, du coup. Ouais. Non, du coup, faut que je reste toujours dans le même principe de lui. Donc, forcément. Ah, c'est-à-dire que du coup, ici aussi, il y aura un roulement. Bras droit. Ici, du coup, forcément, il y aura aussi un roulement, on peut dire qu'il peut tourner sa main comme ça. En 3D, comme ça. Enfin, en 3D. En 360. Du coup. La 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 la. Hop, 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 voilà. Au moins, je peux l'oublier. Je ne vais point l'oublier. Point, point. Bim. Attends que je réfléchisse. C'est dur de réfléchir indépendamment dans la vie. Donc imaginons. Imaginons. Voilà, avec un grand I. Imaginons que je puisse. J'ai jamais cette musique de Pokémon quand même. Le combat de Pokémon. Pokémon Platine. Un jour peut-être je le ferai. En plus je l'ai en émulateur en plus sur PC. Donc je le ferai un jour. Voilà, c'est décidé, je le ferai. J'ai déjà dit en plus dans un ancien live en plus. Je le ferai. Faut que je le note d'ailleurs, pas que j'oublie. Du coup. Si par exemple ça c'est le dessous. Forcément on le verra pas parce que du coup son bras il sera comme ça. Qui peut tourner. Ah c'est-à-dire qu'en fait il faut aussi qu'il puisse tourner comme ça. Oh quelle merde. Mais on s'en fout, quel merdier. Pourquoi je fais pas juste des ronds en fait hein. C'est classique des ronds, pourquoi je me casse les pieds. Ah d'ailleurs faut jouer une bastion d'Overwatch. Ah tiens. Ça pourrait être inspirant ça. Alors. Bastion Overwatch. Comment j'écris Overwatch moi. Image. Montre-nous ta carrure. Ouais, t'as pas une image plus grande. Ils sont pas plus grands. Si là. Ok, ouvrir l'image. Alors, on zoome un peu. Ah, parce que je me dis, il n'y a que sa main qui peut tourner. Et du coup, donc t'as une articulation qui fait ça. Une articulation qui fait ça. Et une articulation qui fait ça. En gros, c'est ça, Bastion. D'accord. Mais bon, faut que ça reste un truc qui est agile, on va dire ça comme ça. Faut un truc qui soit agile. Regardez. Bastion, le voilà. En gros, t'as l'articulation là, ici, qui fait ça, du coup. Qui laisse son... Bah, comme si c'était une épaule, quoi. Celle-là, qui fait ça, du coup, qui fait plusieurs du coude. Et t'as celle-là, tout petite ici, qui fait ça. Qui tourne juste son poing, quoi. En gros, c'est ça, la technique. Enfin, le bastion, du coup. Et ma souris, elle est là. Et du coup, moi, c'est pas un robot comme ça qu'il faut faire. Moi, ce que je veux, du coup, forcément, il y a un sabre. Faut que, forcément, ce soit un robot agile. Du coup, moi, il pourra... Non, d'où les boules qui est au-dessus au niveau des épaules, c'est du coup tu peux les tourner à 360 comme tu veux, tu vois. Le coude, bah il y aura le petit rond pour faire ça. Il y aura un truc où il peut tourner son bras à 360. Un truc à sa main aussi. Et ça suffit en vrai. Hein. Je pense que ça va suffire, hein, je pense. Hein. Du coup. Et du coup, forcément, ça faut que ça tourne aussi. Quoi que non, en fait, je m'emmerde en fait. Je m'emmerde vraiment pour rien, hein. Moi c'est dingue. C'est ouf. Hein. Ok. Je vais essayer de faire un peu dans le style là. Ouais.
C'est dur de réfléchir. C'est très dur de réfléchir. Alors, bras gauche du coup, faut que j'aille. Ah, gauche, il est là. Ah, le bras propre croc. Faut l'oublier celui-là. Imaginons du coup. Et du coup, forcément, un genre de truc ici. Tac, tac. Tac, tac, tac. Non, je vais faire ça avec des traits droits. Ce sera plus simple. En deux. Moi, je dis un trait comme ça, un trait comme ça. Un trait comme ça. Un trait comme ça. Un trait comme ça. Non, trop. Ok. Pas très beau, mais c'est pas grave, c'est un test. Ah non, c'est vrai que c'est là-bas. Je vais passer loin, ok. J'ai rien dit. Du coup, tac, tac. Donc, tac. 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 Ouais, non. Pas ouf, hein. Pourtant, du coup, ça va tout droit comme ça. Faut pas oublier qu'il y a un roulement ici aussi, du coup. Didi. Voilà, un truc à peu près comme ça. La 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 la. Ensuite, tac. Ok. Si je rentre plutôt comme ça au centre. La gueule du bras, quoi. Ah, c'est complexe en vrai. C'est vraiment complexe. Comment je pourrais faire? C'est compliqué tout ça. Très compliqué. Si par exemple. Ok. J'ai potentiellement une strat. Une bonne strat. Donc forcément. On va partir en crayon classique. Ok. Donc forcément. Si le bras est comme ça, on va dire qu'il peut plier que comme ça. Du coup sa main va tourner. Forcément. Comme ça. Donc j'ai une idée, c'est genre de mettre une genre de plaque au milieu. Non. Un trait qui sépare les deux plaques du coup. Un truc comme ça. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, celle-là. Si ça finit en rond, donc. On va faire le rond tout de suite. Hein. Ok. Attends mon oreille d'ailleurs. C'est bon. C'est pour plus de concentration qu'il faut gratter ses oreilles souvent. Ça aide à la concentration. Forcément, t'as une plaque qui est comme ça. Une plaque qui est comme ça. Hop. Hop, hop. Mouais. Moyennement moyen. Hein. Hop. Il y a moyennement de moyenne moyennée. Hein. C'est compliqué à dire cette phrase. Du coup, un trait comme ça. Un trait comme ça. C'est vraiment une merde à dessiner hein, les robots. C'est vraiment dur à dessiner. Pff, horrible. Il est juste horrible. Hop. J'arrive pas à me faire l'idée en fait. J'arrive pas à me faire l'idée. Ok. C'est qu'il y a le roulement aussi ici. Hop. C'est pas facile. Hein. Ce n'est point facile. Poup 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 poum poum. Mmh.
C'est chiant de dessiner les bandes robots quand même. C'est vachement galère. Si je... Oh non, c'est chiant aussi. C'est vrai, il faut que je refasse carrément tous les bras en fait. Ah non, faut... on va oublier ça. J'ai bien le système du roulement, mais par contre les avant-bras... Ça va être compliqué. Hein. Si je marque bras robot, ouais, il va mettre des bras de robot de... truc ouvrier aussi. Bras robotique. C'est parce que je me disais, ouais. Il met des bras de... d'usine. Bras robotique. Humain. Ah! Alors on tient quelque chose là. Oh. Oh, on tient quelque chose. C'est ouf que dans le futur on aura vraiment des bras comme ça, hein. Pour ceux qui sont amputés, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Hein. Moi j'ai trop bien que ça avance comme ça dans la médecine plus tard. Tu te fais amputer d'un bras, c'est pas grave, on aura un nouveau. Il sera moins fonctionnel que le vrai, mais... Moi, je pense qu'au début quand ça sortira, ils seront hors de prix, hein. Clairement. Ça sera hors de prix. C'est ouf. Ah, pense, je pourrais faire ça pour les mains. Je pourrais faire ça pour les mains. C'est compliqué, il y a beaucoup de trucs. Je viens de capter qu'il y a beaucoup de trucs. C'est compliqué, hein. Ah, elle est où? Oh, celle-là aussi est pas mal. Ok, faire ça. Ouvrir les mains dans un nouvel onglet. En vrai, je vais m'inspirer de celui-là, je pense. Je pense un peu que ça tranche aussi beaucoup sur le style du, celui de mon dessin actuellement. Ah, attends, il y a celui-là aussi. C'est pas mal celui-là. Hein. Juste en fait, un bras en fait. Il n'y a, aucune dire, séparation entre deux machins. C'est juste vraiment un tube en fait, en gros. Ce serait limite mieux. Hein. Genre au-dessus ici, il y aura tous les câbles parce que bon, c'est le début, l'épaule, tout ça. Mais après, juste un tube et c'est bon. Hein. Vu qu'en fait, forcément, le truc là il tombe pas. Donc, je me dis que forcément, ça sera bon. Je pense plutôt faire ça en vrai. Ça, j'ai eu de me casser les pieds pour rien. Tiditi. Oula. Hop. Ah, il dépasse encore. C'est bon. Hop, oui, ma souris. Ma souris, merci. Hop. Ok. Je pense que je vais faire ça, juste faire un tube en rien. C'est déjà assez chiant. La 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 la. Donc ça veut dire du coup... Ça veut dire du coup qu'il y aura un genre de truc comme ça. Un truc quand même qui est rattaché au... Au truc en rond là. Ou bien, je pars pas sur un délire des trucs en rond, mais je pars sur un délire plutôt, comment dire, sur un délire plutôt, comme le bras de Bastion. Compliqué, hein. Comment que KGP faire? Que je réfléchisse. Oh. Ben déjà, je viens de capter un truc déjà. Voilà. Même encore après. Forcément, du coup, ça, je vais le prolonger. Voilà.
Donc ensuite, on va faire du coup le système de... C'est ce système là en vrai. Hein. T'as juste une genre de roue ici là. Eh ben en vrai voilà, je trouve mon système, ça y est. Ingénieur en chef, hein, je veux dire. Hop, voilà. Du coup, tac. Hop, on fait ça. Comme ça. On va juste effacer ça. Ça aussi, du coup. Mais du coup. Il y a beaucoup de du coup. Le bras. C'est un truc comme ça. Ouais, à peu près. Comme ça. S'il y aura ça. Peut-être plus comme ça. Ouais. Putain, du vent aujourd'hui. Hein. C'est venté. Hop, comme ça. Bah voilà. Faut juste que je change l'inclinaison, puis c'est parfait. Hein. Tac. Tac. Il passe de bras balèze à bras un peu plus maigre, mais c'est pas grave. La 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 la. C'est déjà beaucoup mieux déjà. Hein. C'est déjà beaucoup mieux que mes anciennes idées un peu à la con, un peu moche là. Juste changer l'inclinaison de tout ça. Hop, tac, tac, nickel. Ctrl T, on tourne. En plus, ça marche nickel en plus. Même en juste en faisant la rotation, ça marche avec le truc là. Le truc là. Je parle bien le français aussi, moi. Hop, tac. Ensuite. Je vais faire ça. Ça, on tourne là comme ça. Ça, on tourne là comme ça. Ouais. Hop, ce petit rond ici. Là, ici, forcément, il y aura un creux ici. Ah, mais du coup, non, il y a un truc là-bas. Hop, tac. Ok. Ok. On va juste faire un trait au milieu, comme quoi que c'est séparé, quoi. C'est tout mon personnage un peu en forme géométrique, et lui, c'est un peu arrondi. Donc, je pense, du coup, c'est de le refaire un peu avec des traits un peu droits et tout. Je vais faire un calque au-dessus. Alors ensuite, ça, merde, donc tac, comme ça, ouais, un truc comme ça, ouais, on va effacer ça, merde, hop, voilà, ensuite, ici, on va faire un truc comme ça. Et ça va jusqu'en bas. Hein. Je sais ce qui manque. Je sais, j'ai capté. J'ai tout capté. Ce qui manque en fait, c'est juste, tout simplement, de l'épaisseur. Alors du coup, faire ça. Ouais, CTRL T. Non. Voilà. Voilà. Ici, si t'as plus le resserrer ici. Non, en fait, c'est chiant que ça fait comme ça. Voilà, comme ça. Ce sera plus simple. Hop. Tac. Nickel. Ok. Deselect. Juste effacer aussi. Ce trait là comme ça, voilà. Ensuite
Ça on l'efface. Ça on l'efface. Non, bon, non. Ça on l'efface. Ça on l'efface. Est-ce que je suis un peu con ou je le fais exprès? Non mais franchement. Forcément ce trait là il est plus là. Parce que du coup c'est un peu incliné. Voilà. Voilà. D'un coup ça passe mieux. Oula. Je suis encore une fois con parce que... Oh putain. Ça. Tac. Contrôle T. On a juste ça. Voilà, faut que je redresser un peu comme ça. Je tourne. Ouais. Moi c'est bon comme ça. Nickel chrome, j'ai envie de dire. Ta 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 la ta ta la. Du coup ça, du coup je vais faire ça un peu. Ça fera ça, du coup ça. C'est comme ça. Tac. Ouais non. J'avais fait des trous en ce là, comme ça. Non c'était bien comme ça. Pourquoi je m'emmerde? Franchement. Je cherche compliqué. Alors je teste, hein, c'est vraiment moche, je sais, mais je teste. Bah en vrai... Pff, ouais non. Non, franchement non. Ça fait plat du coup ici, c'est mieux, mais je veux dire, c'est pas... Ouais non, 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 juste non en fait. Juste non. Ensuite, je rejette ici le marqué juste romain. Je vais comprendre. Mais non, croquis, franchement, c'est des pépites. Tac. On passe comme ça, on fait juste le rond là. Hop, 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 hop. Hop. Ah merde. Hop, voilà. Putain. Quelle honte. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Je viens de réfléchir pendant 3 secondes, je me dis, attends, c'est bien ça ou je suis un peu con ou quoi? Non, visiblement c'est bon. Donc ça, je suis pas si con que je le prétends. Tac. Mais non, c'est vrai que du coup, je vais remettre le bâton, du coup. La 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 la. Ouais. Ok, nickel. Maintenant. On va juste faire ça. Hop. Pour dire de... Enfin, après, la double épaisseur du... truc qui tourne, là. Truc qui tourne les poignets comme ça. Ouais. Ok. Mais du coup. Mais encore. Ctrl V. Ctrl T. Il y en aura encore un ici, du coup. Ok. Ok. Voilà. On va tous les assembler. Et je vais juste gommer là, ce qui est ici. Voilà. C'est pas très beau. C'est pas grave, ça sera repassé après.
Il y a un truc qui me perturbe avec ce bras. Il est vraiment pas épais, ça me perturbe. Imaginons. Voilà. Que je joue comme ça. Imaginons. Imaginons que je le fasse. Que je le fais, pardon. Je parle bien le français encore une fois. C'est un truc à rappeler. Faut voir que la culture française s'est bien adaptée en moi. Ensuite. Non, sinon c'est ça. Ouais. C'est mieux déjà. C'est déjà vachement mieux. La la. Ouais, bon. Ça me paraît déjà mieux. Bah, en termes de logique, ça c'est quand même un peu plus beau. Mais en termes de logique, c'est lui le mieux. Forcément, lui, tu plies comment son bras? Comment il se plie son bras de merde? Est-ce qu'il peut se tourner comme ça son bras? Et c'est quand il prend son sable, il est comme ça. Yo! Son bras, il va rester statique. Son bras, c'est une règle, quoi. C'est un crayon, quoi. Il est tout droit, il bouge plus. Avec lui, tu vois, il est plus maniable. Il peut se tourner comme ça. 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 Voilà, il a accès à tout, lui. Multifonction, une fonction, bouger. Lui, c'est juste au bas. Lui, c'est multifonction, il peut tout faire. Comme les robots de cuisine, quoi. Parce que lui, si tu mets un mixeur, hop, tranquille, il fait la soupe. Ça passe tout seul, quoi. Que je réfléchis. Du coup, j'ai envie d'essayer de racheter des traits ici. Un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. En vrai, ouais. Il y a un style. En vrai, ouais, il y a un style. Ouais, comme ça. Comme ça. Voilà. Et en dessous, on peut racheter une lame ou un canon. Par la même occasion. Mais du coup, vu que c'est lui qui manie le sabre. Mais non, forcément, c'est ce bras-là qui manie le sabre. Genre, en plus, ça passe en dessous. Ça, du coup, son bras, il passe au-dessus. Comme s'il tenait son sabre. Genre, j'ai pas une règle aussi, j'ai une règle aussi. Comme s'il tenait son sabre, genre comme ça. Non, du coup, c'est forcément sur le bras. Donc, du coup, comme ça. Non, je sais plus. Si. Son sabre, il ressort comme ça. Comme ça. Attends, je sais plus. Ouais, comme ça. Ça va comme ça. Sur son sable, le bâton il est là. Sinon ça passe au-dessus. Donc forcément s'il y a un canon en dessous, bah ça marche moins. Il pourra pas poser son bras du coup. Forcément. Bididi. Bon du coup, si je rajoutais pas des traits en dessous. Ouais. C'est quand même mieux. T'as dû changer ce trait là. Voilà. La la la. Du du du. Du 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 du. Tac. Ah, j'entends une voiture, deux secondes. Je regarde, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que c'était le camion Amazon. Je pensais. La 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 la. Ok. 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 Mais du coup, mais encore. La la
Hop là. La 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 la. Ok, nickel. Du coup, j'ai envie de mettre un trait ici. Par exemple, tac. Non, du coup, forcément, il y a un truc avant. Ouais. D'un coup, ça passe mieux. En termes de logique, franchement, c'est 100 fois mieux. En termes de logique, voilà quoi. La logique avant tout, j'ai envie de dire. Imaginons, je fais un bras comme ça. Ici, on va faire pareil, du coup, pour pas exposer que ça tranche trop. Tac. Ouais. Tiri li tiri li tiri li. Non, peut-être pas ce trait, ça sort de. Ouais, je sais plus parler en plus. Ok, je me tais. Ouais. Ça me paraît mieux comme ça quand même. Quoique, peut-être juste entre le trait du dessus. Voilà, comme ça. Là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Non, du coup, forcément, c'est pas le même. Du coup, il y a un trait là. Et c'est tout. Un seul. Bah voilà, en vrai, franchement, mon robot, il avance mieux déjà là. Après, j'ai encore ça aussi. Voilà, c'est peut-être bien, mais. Il y a un truc qui va pas avec les jambes. Donc voilà, ça sera à refaire aussi. Ce bras-là, je pourrais le virer. En vrai. En vrai. En vrai. Non, du coup. Hop. Voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que les traits, je vais les enlever ici. Rajouter peut-être une petite plaque. Du coup, ça tranche. Ici, c'est à moitié ouvert. Et ici, y a plus rien. Ici, c'est tout fermé, quoi. C'est une boîte, quoi. Une boîte de conserve. Tout est bon, tout est fermé. Sinon, j'avais l'idée de mettre, vous savez, un câble en plus. Mais le problème, c'est que du coup, forcément, s'il se tourne, le câble va partir avec. Donc, du coup, ça c'est compliqué. Donc, en gros, je pense pas qu'il y aura de câble. Franchement. Peut-être un câble ici, genre un petit câble comme ça, qui passera comme ça. Bon, d'ailleurs, je vais faire maintenant. Moi, je suis tranquille. Moi, j'y ai pensé. Ici, y a un petit trou de câble, hop, putain. Hop. Tac. Voilà. Parce que forcément, du coup, ça tourne pas. Ça tourne, mais genre, ça tourne avec tout l'ensemble. Ouais, puis du coup, voilà, c'est bien comme ça. Un petit câble, comme ça, qui passe tranquillou, voilà. Peut-être un petit deuxième? Allez, un petit deuxième. Un petit deuxième, là, qui va avec. Hop. Nickel. Du coup, je pense du coup faire une plaque aussi ici. Je vais gommer les fils. La 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 la. Cette musique-là, ça fait déjà 3 fois qu'on l'entend. Déjà. Ouais. Tac. Ouais, tac, comme ça. Nickel. Nickel. Ensuite. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter une plaque. Je pense que ça serait peut-être mieux. Et du coup, je me demande si j'enlèverais pas du coup ça. Je pense que ouais. Genre ça. La 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 la. Ti 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 tim. Ti 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 tim tim. Ok. Ok. Ah, mes bras ils changent carrément de look. Hein. Ils changent complètement de look mes bras. Hein. C'est ouf. Hein. La la la. Ok, ça du coup on enlève. Tac. Ok. Là, on va faire le trap après. Hop. Hop, merci. Hop.
Voilà, comme ça. Du coup, ça on va le faire continuer aussi comme ça tout droit. Ouais, comme ça aussi du coup. Non, du coup, faut que je le fasse aussi. Forcément. La 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 la. Hop. Tac, tac. Niquer le chrome. Hop. Tac, tac. Voilà. On part sur ça. On fait un trait. Un autre trait. Un autre trait. Un autre trait. Et voilà. Maintenant, on rajoute la plaque. La petite plaque. Juste avant, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Hein. Hop. Ok. Voilà. En vrai, j'ai juste besoin de fermer. Hein. Comme ça. Je passe un petit coup de plaque ici. Donc en vrai, j'ai pas vraiment besoin. Hein. Peut-être juste. Un trait comme ça. Ouais, c'est quand même quelques traits. Là, c'est juste purement et simplement du style. Hein. Juste purement et simplement du style. Hop. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Mais nickel. Non, je masque le bras gauche. Oh lol. Voilà. Du coup, ça faut que je récupère du coup. Maintenant, je peux tout rassembler normalement. Voilà. Ça du coup, je pourrais le supprimer. Voilà. Mais je vais le garder quand même. Lui, je vais le garder. Là, c'est tout carrément tout le bras. Du coup, marqué bras gauche. Marqué 2.0. Moi, je vais retenir que c'est lui. Donc, ensuite, là, faut que je m'attaque à la main. Ça, je vais mettre là-dedans aussi. Ensuite. Bon, en vrai, franchement, je suis vraiment fier de ce bras. Hein. Je suis vraiment fier comment je l'ai rattrapé. Et là, franchement, en termes de logique pure, y a pas mieux. Hein. Hop. Hop. Ensuite, tac. Normalement, mon live, je l'arrête vers 16h. À peu près 16h, je crois. 16h30, je sais plus. C'est après, j'ai le coiffeur. J'ai coupé un peu ma tignasse quand même. Non, j'ai juste coupé les côtés, des épaisseurs un peu au-dessus. Peut-être une petite coupée un peu à longueur, mais c'est pas. À voir. Toc, nickel. J'ai rattrapé un peu les conneries. Ici j'ai gommé. Oula non. Ok, non. Ici je gomme. Ici on gomme un petit coup. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Hop. Nickel. Tac. Putain, moi je suis vraiment fier de ce bras. Je suis vraiment content de ce bras. Je suis si fier. Enfin, je fais un truc logique. Enfin. Maintenant, faut que je m'attaque à la main. Ouais, ça c'est autre chose ça. Du coup, pour la main, j'ai juste idée pour celle-là du coup.
Cette main. Ouh, c'est beaucoup de guillemets là. Cette main là à peu près. Bon, c'est classique, hein, juste qu'il y a des petits trucs, des petites articulations ici. Là, ici aussi. Je pense que je vais essayer de faire des roulements ici, je pense. Des petits trous. En fait, ce dessin est une histoire de petits trous, en fait. De petits trous, de petites roues. Que des petits trous. Il y a des petites roues là, il y a une roue là, une roue ici, une roue, une roue, une roue, une roue, encore une roue ici. Avec des roues, des roues ici aussi. Avec des roues quoi, c'est une histoire de roues. Ah ben avant ça, il faut que je fasse le bras là. Bon, il sera moins chiant genre. Mais il restera chiant quand même. Il restera chiant quand même. Parce que du coup, par exemple, pour les vis, du coup. Je vois toutes les vis ici. Hop. Non, c'est un peu bon parce que du coup je risque d'effacer les vis à côté. Hop. Cela aussi on efface. Voilà. Du coup je vais faire les vis là du coup parce que je sais que je vais toucher ici. Du coup on va mettre quoi? On va mettre genre une vis là. Une vis là ici. Si je veux bien la mettre. Hop, une vis là, une vis là, une vis là, ici, ici, une vis là, hop, à peu près comme ça, tac, 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 encore une fois. Ouais, ici aussi. Nickel. C'est un beau bras de robot. Oula, j'ai pris une gomme immense. J'ai fait gommer tout mon dessin. Ouais, attends. Plutôt comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Bah du coup j'en ai pas mis ici. Quelle erreur. Hop. Voilà. Là on aime bien les bras comme ça nous. On aime bien les bras bien foutus. Mais pas ces choses, je viens de me rendre compte d'un truc encore une fois. C'est que je pense que du coup j'ai le même problème que le début. C'est que ce bras est trop petit. Putain. Le bras est trop petit. Du coup, je vais devoir l'agrandir. Encore une fois. Et si, par exemple, là, d'un coup, comme ça, je pourrais le prendre, juste agrandir sa taille. Tout est une histoire de taille, de toute façon. Hein. Hop. 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 Nickel, CTRL T. Attention. Bien joué à moi. CTRL T. CTRL T. Mais, CTRL T, merci. Mais. Non mais je confonds ma droite et ma gauche quoi, c'est juste, voilà. Ma gauche. Oui. Forcément les vis elles vont rebouger du coup. En vrai voilà, hein. Ok, deselect, on va juste gommer ça, voilà, du coup bah les vis, bah forcément, les vis aussi elles vont grossir, hein. Hop, voilà, CTRL T, on grossit tout ça, on replace tout ça bien. Oula, qui est où? Oula. Oula, qui est où? Ah ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Je sais qui est où. Ah, je crois. Voilà, nickel. Hop. Voilà.
Et du coup, sans ça, mais changeant d'inclinaison, mais c'est pas grave. Hein. Franchement, je suis pioche après. Hein. Ouais, franchement, sans ça, mais changer de place, c'est pas grave. S'en fout. Du coup, c'est marrant parce que quand on le met comme ça, on croit qu'il marche, alors qu'en vrai, il est statique. Là, il est statique. Là, il marche. Parce qu'en fait, le fait qu'on voit plus, c'est. Ici, on peut voir que c'est ses tibias du coup. Il est tibia en mi-cours. En fait, non. Il est statique, il bouge plus. 15h30, en vrai, ça va. Du coup. Forcément. Du fait. Je vais juste. En fait, le sabre, je vais le bouger. Le sabre, juste le prendre. Comme ça. Si je descends. Ouais. Je pourrais faire un truc comme ça en vrai. Hop. Ouais. En vrai, ouais. Un truc comme ça, rien de peu plus classique. Bon, un peu plus classique plutôt. Je parle bien de France aussi, moi. Alors, on va faire la main gauche. Tac. Ouais, non, juste avant, je vais faire croquis. Avant. Voilà. Croque-main. T'as croque-ou, t'as croque-mou, non, t'as croque-main. Alors. Bleu. Merci. Du coup, pour la main. Oh, ça va être chiant. Comment on fait une main déjà? Imaginons que ses doigts, ça fait ça. Tac. 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 Ouais non. L'inverse du coup. Tac. 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 Ici, du coup, forcément, du coup, faut que je les avance du coup. À peu près là. Ok. Et ici, il y aura le pouce. Hop, un rond. Ouais. Bienvenue dans mon croquis de nain. Excellent ça. Non. Déjà forcément, ce sera un peu moins long, je pense ici. Hop. Ouais. Bon. Partons là-dessus. Du coup, là, on part du coup sur le noir. Hop. Tac. Ah, mais du coup, c'est vrai que c'est un robot. On peut pas faire des mains classiques. Faut que ce soit un robot qui reste robot. C'est chiant les mains. Du coup, on va déjà faire déjà un pavé déjà. Forcément du coup il sera un peu incliné comme ça. Juste faire un pavé. On va faire un rond là. Un rond. Un rond. Un rond. Un rond du coup qui sera ici. C'est compliqué tout ça. Hein. Je trouve que les mains, c'est vraiment être compliqué à faire en robot. Hein. Hop. Ok. Forcément.
À chaque bout de doigt, à chaque bout de doigt, il y a quoi? Une articulation, donc un rond, encore une fois. Forcément, du coup, s'il sépare en deux, là, si on refait un trait, avec un autre rond, du coup, avec un autre rond, forcément, donc on referme. Sauf que là, il y a quoi? Un autre trait? Avec quoi? Un autre rond? Du coup, je referme. Ça va être horrible. Moi, je vais faire un trait, mais je peux pas, pourquoi? Bah, il y a un autre rond, pour le sabre, je vais le cacher, ce qui va me faire chier sinon. Sabre, 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 sabre. Dégage. Et du coup, forcément, je fais un trait. Mais il y a quoi ici? Un autre rond? Forcément. Du coup, là, je peux finir mon trait tranquille. Voilà. C'est déjà un bon début, déjà. Hop. Voilà, à peu près. Forcément, du coup, il y aura un trait là. Mais du coup, ici, il faut qu'un autre doigt. Du coup, j'avance. Mais là, il y a quoi? Une autre articulation. Du coup, forcément, le doigt s'arrête. Du coup, il y a un autre doigt qui continue. Mais là, c'est la fin parce que j'ai une articulation en plus. Ok. Mais je peux pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a un dos devant. Quand il n'y en a plus, on en a encore. Du coup, hop, on refait une articulation. Tac. Et du coup, hop, ça se ferme. Du coup, on fait la dernière articulation. Voilà. Oh, c'est compliqué. Hein. Oh, ça va être horrible, je le sens. Je sens que ça va être ignoble. J'ai 20 minutes pour finir la main. 20 minutes pour la finir. Vous vous rendez compte? 20 minutes. Pas beaucoup, hein. Mais j'ai 20 minutes. Ça, c'est ce que je sais. La main, je promets rien. Je sais qu'elle sera potentiellement moche. Mais j'ai 20 minutes quand même. Ok. Donc là, un rond. Tac. Du coup, forcément, c'est un petit doigt, donc ça se finit assez vite. Oh lolo, c'est un cauchemar. Oh, c'est un cauchemar cette main. Alors déjà que les mains, c'est pas mon fort, alors en plus une main robot. Je pense que ce que je vais faire, je pense, hein, je pense sincèrement, c'est que, comment dire, je dois refaire une main classique, et après essayer de la refaire en robot. Je dois faire ça, il y a de grandes chances que je dois faire ça. Mais je suis un connard. Putain. Ah non, 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 j'ai rien dit, je suis pas un connard, j'ai rien dit. Un dos. Ouais, ça, c'est bon. Non, j'ai rien dit en fait, je m'insulte pour rien. Bienvenue sur cette main robot. Je vous présente une main robot du coup. Merde, j'ai mis une phalange ici. Ah non, c'est elle là, je sais pas, elle est pas finie. Voilà. C'est ignoble. C'est juste ignoble. C'est tellement chiant. En vrai, je vais l'effacer. Non, franchement, non, c'est un grand nom. T'as pas effacé le cube, mais au moins effacé ça. La 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 la. Ça prend 3 ans. En vrai, ça prend 3 ans. Je pense plutôt que je vais faire un stream. Parce qu'il y a aujourd'hui trop de trucs à faire. Ouais, non, après j'ai le coiffeur qui arrive. Donc ouais, en vrai je pense que je vais faire mon... Je vais arrêter le stream là. J'ai arrêté que j'ai stream qu'une heure, 1h25, mais bon, voilà quoi. Sur le prochain stream, je vais mieux avancer. Je vais faire sûrement un... Demain on est mercredi, jeudi j'ai cours. En vendredi j'ai pas cours et c'est le week-end.
Donc en vrai. Ah mais un stream vendredi c'est chiant. Bon déjà un stream vendredi c'est sûr. Mercredi pas sûr. Je vais voir. Je vais voir en vrai. En vrai je vais voir. Mercredi peut-être, mais vendredi c'est sûr. Donc de toute façon les deux streams ça sera peut-être du dessin et après sûrement vendredi je fais sûrement autre chose que le dessin. Je vais continuer le dessin après peut-être partir sur un jeu. Peut-être. Bon, du coup j'enregistre tout ça. Et je suis vraiment fier de ce bras. Hein. Je vais vraiment fier. Bon du coup. Du coup. Hop. Hop. Voilà. Tac, tac. Nickel. Je vais couper mon appli de dessin. Bon du coup, je vais arrêter le stream là maintenant tout de suite. Bon, c'est un petit stream classique. Hein. Voilà, je vais mettre en. Je pense en nom de vidéo YouTube, ça sera on fait le bras droit. Bras gauche. Celui-là. Enfin celui-là. À ma gauche. Donc voilà, on aura fait un bras. Sans la main, mais évidemment. Pour l'instant, il est encore amputé de la main, donc c'est assez compliqué pour lui. Mais voilà, on va essayer d'avancer. Hein. Je t'en fais mon gant. Voilà. Du coup. J'arrête le stream là maintenant tout de suite. Et du coup, à vendredi sûrement. Et mercredi, je sais pas. On est quel jour aujourd'hui? Du mardi, je crois. Ah non! Non, pas mercredi, jeudi. Jeudi. Jeudi peut-être. Vendredi, c'est sûr. Mais jeudi, peut-être un stream. Peut-être. Peut-être. Donc, du coup, bref. Je coupe la VOD. Donc, la bise YouTube. On se voit pour le prochain live, pour la prochaine relive du coup. Salut, salut!